On t'associe souvent à Patrick Bruel ou encore à Florent Pagny. Est-ce que tu penses marcher sur leur plate-bande? Non, tu vois, non, je vais dire des mecs comme Florent ou Patrick. C'est des potes, tu vois, mais je trouve qu'ils vont pas assez loin, tu vois, dans ce qu'ils font. Ils y vont pas à fond, quoi, si tu veux. Ils dénoncent pas. Moi, je prends des risques. Vous, messieurs, dames, les politiciens, vous nous traitez tous comme des chiens. Une chanson, si tu veux, pour moi, c'est prendre parti pour une cause, tu vois, puis y aller à fond, prendre des risques, tu vois. Sinon, c'est pas la peine de faire une chanson pour du vent, quoi, tu vois. Vous vous en mettez tous plein vos fouilles. Moi, je dis que vous me cassez les couilles. Cassez les couilles. C'est pour ça que je vous le dis. Politiciens, vous êtes vraiment très méchants. À part François Mitterrand, qui est un bon président, Charles Pasqua, qui a pas toujours fait n'importe quoi, et Giscard et le Canuet, ils ont quand même leur bon côté. Et pour Chirac, faut dire aussi qu'il a fait beaucoup pour Paris. Quant à Jean-Marie Le Pen, il dit pas que des conneries. Alors, j'ai de dire, la guerre, tu vois, c'est une connerie monumentale, tu vois. Et moi, je suis contre, mais contre total, tu vois. Bon, faut reconnaître quand même que c'est nécessaire, hein, la guerre. Vous êtes vraiment très, très méchant. Nos voix, ça me révolte et je me casse la voix. Un peu hard pour moi, tu vois. C'est-à-dire, je veux dire, il y a des soirs, je me couche, en général vers 6h du matin, tu vois, et je pense au tiers-monde, tout ça. J'arrive pas à m'endormir pendant un quart d'heure, tu vois, des fois. Même si j'y risque ma vie, vous, les politiciens, vous êtes vraiment très méchants. Ouais, je veux dire, moi, il y a un truc qui me révolte, total, tu vois, et je vais le dire. Même si je me fais des ennemis, j'en ai rien à foutre. Ce qui me révolte, c'est l'injustice dans le monde, tu vois. T'as pas peur que ça te retombe dessus? Ouais, je m'en fous, tu vois, je m'en fous, j'assume. Michel Rocard a peut-être fait des erreurs, mais faut dire que c'est un sacré bosseur. Mais il y en a un qui est vraiment un enfoiré. Mais je préfère pas dire qui c'est.